j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la réalisation de mon mini-album. Donc, je suis trop contente puisque j'ai utilisé un nouveau bloc de chez Action et il est juste magnifique. J'ai utilisé donc ce bloc-ci, petites perles strass vert et bleu. Au niveau des fleurs, ce sont des fleurs que j'avais achetées sur la boutique Scrap Didi. Et au niveau de ces magnifiques die cuts, c'était une collection... je ne sais pas si vous vous rappelez, avec les pans, donc très beau die cut. Donc pour la structure, donc elle se présente comme ceci. Donc c'est un tuto d'Eternity pour toujours. J'ai adoré sa technique de réalisation, donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Et donc c'est un mini-album vraiment super simple à réaliser. Donc pour la structure, j'ai utilisé des feuilles craft. Donc ce sont les gros blocs de chez Action. Donc il y a des feuilles plus épaisses et des feuilles fines. Donc vous avez en blanc, en craft et en noir. Et donc ce sont des feuilles vraiment super pour... les mini-albums. Je vous ferai pas de tuto puisque je vous mettrai le lien de sa vidéo où elle explique très bien avec les mesures, etc. Donc pour la couverture, donc elle est comme ceci avec les die cuts, les fleurs, le titre moment de partage, c'est un embellissement en bois qui vient de Scrap Didi aussi, et je l'ai ancré en blanc qu'il était en couleur craft, enfin couleur bois à la base. Et voilà, je voulais que ça ressorte. Au niveau du dos, donc j'ai juste mis une bande de papier, mon petit tampon, et au niveau de la tranche, j'ai mis juste un morceau de papier. Et j'ai mis en 3D donc ma petite étiquette en craft. Et donc je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, c'est papier. Donc trop beau. Donc là, le papier était chargé de ce côté-ci. Donc de l'autre côté, j'ai mis un papier beaucoup moins chargé. Et j'ai juste mis une bande de papier, donc en rappel avec les petits chats. Et puis là, j'ai mis mes die cuts. Donc je ne les ai pas collés totalement pour justement glisser une photo. Regardez-moi avec ces montgolfières. Il est magnifique. Donc ici, j'ai juste mis une bande que je n'ai pas collée comme sur le papier pour y glisser ma petite page. Donc j'ai arrondi les coins et j'ai fait de la fausse couture. Hop. Retrouve le même système. Donc là j'ai mis les petits chats et puis toujours mon petit morceau de craft et mes petits die cuts. Thank you.
ici, pareil, j'ai mis un morceau un petit peu plus grand. Et on arrive à la dernière double page. Donc voilà pour ce mini-album, j'espère qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous lire et de vous répondre avec grand plaisir. Et moi je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !